à tous, on est avec Izio, rider toulousain. Il va nous présenter sa Dualtron Eagle Pro. Alors avant de commencer, est-ce que c'est ta première trottinette? Non, c'est la troisième. La troisième. Quelles étaient les trottinettes que tu possédais? Celle d'avant, c'était la Mini. Ok. Et puis juste avant, c'était une trottinette classique dite urbaine. D'accord. Dualtron Mini que tu possédais pendant combien de temps? 6 mois à peu près. J'ai vite changé, oui. Ok, tu voulais plus puissant, j'imagine, un peu comme tout le monde. L'autonomie au début. L'autonomie, surtout. Ok. Et puis après, avec le reste, quoi. Ah, si. Je comprends. Donc maintenant, ça fait combien de temps que tu as la Eagle Pro? 5 semaines. 5 semaines, c'est très court. Oui. Donc globalement, plutôt satisfait, tu as des reproches, des remarques particulières? Sur la Eagle Pro, non, je trouve que c'est une bonne trottinette polyvalente. Elle est stable, elle est tranquille, je guidonne pas. J'ai vu que tu as fait un petit changement à l'avant. Oui, alors j'estime que le collier double est nécessaire, c'est pas du luxe. Au niveau des pneus, c'est un avis perso, ça va très bien en 2.5, mais je trouve que ça lui donne plus de caractère en 3, et je pense que c'est la taille qu'il lui faudrait initialement. Tu ressens un changement en termes de tenue de route? Plus de stabilité, effectivement. Plus de stabilité. Tu as pu tester l'autonomie avec les nouveaux pneus ou pas encore? Non, l'autonomie non, mais je pense que ça va grignoter un petit peu quand même. Ouais, au niveau... parce que on dit plus de surface de contact, plus ouais. Ça bouffe de l'autonomie. Oui. C'est pour ça que j'ai envie de changer le contrôleur et mettre le contrôleur 27 A. D'accord. C'est vrai que sur la Eagle Pro, il y a le contrôleur en 25 A. Toi, tu recherches certainement un petit peu plus de couple à l'accélération. Je pense que le 27 A, c'était ce qui lui convenait, quoi. Ouais. Je comprends pas le 25, mais bon, voilà, c'est encore une fois, après, ça, c'est les choix du Altron. La question primordiale, c'est est-ce que le contrôleur donc DT3 est compatible par rapport à la batterie? Largement. Par rapport au branchement? Oui, compatible. Qu'il n'y ait pas de bidouille, découpage, soudure particulière à faire? Compatible. J'ai acheté un contrôleur 27 A, et effectivement, pour les cosses de branchement pour la batterie, positif et négatif, j'ai dû reprendre les contrôleurs d'origine. Puisque les cosses du nouveau contrôleur étaient trop petits. D'accord. Il faudra... Donc il y a quand même une petite modif à faire. Voilà, il y a une histoire de soudure, dessouder, ressouder les cosses en question. D'accord. Les outils indispensables, outils de découpe, pour découper la gaine thermo qui est déjà présente, pour pouvoir déconnecter les cosses. Des nouvelles gaines thermo, peut-être un soudeur et un... une sorte de mini chalumeau pour chauffer les gaines thermo. Ok, pour faire les soudures, quoi. Oui, c'est un petit chantier. Faut se poser tranquillement. Globalement, en termes d'utilisation, c'est plutôt pour le loisir. Un petit peu de tout. Elle est très polyvalente. Je m'en sers, pour tout. Faire mes courses, tout autant pour loisir. Le gros point négatif, ouais. C'est pas un mystère, hein, les freins. Là, j'avoue que vraiment... C'est la première chose que je vais faire, c'est les freins. Parce que tu as conservé les freins d'origine. Oui, les freins sont d'origine encore. Mini Motors. Ouais. En plus, freins à câble, pas du tout adapté. C'est mon avis. Tu as réfléchi sur une marque de frein ou pas encore? Tu t'es pas lancé dans le sujet? Si, je me suis lancé dans le sujet. Je pense que des freins hydrauliques seront très très bien. Des freins nuts, ça ira très très bien pour la trotte. Après, en luxe. Pour se faire plaisir, on peut toujours mettre des Magura, mais des freins neutres normales, hydrauliques normales, suffiront largement. Ouais, moi j'ai. Oui. J'ai des freins neutres qui à l'origine sont posés sur la Thunder, ouais. Qui est déjà une machine assez imposante, tu vois. La 40aine de kilos, capable de franchir des vitesses phénoménales. Pour nos gabarits, ça suffit amplement. Hein. Oui, là-dessus. Comme je dis, Magura pour la Eagle Pro, c'est plus du plaisir. Mais Neut correspond très bien au niveau hydraulique. Est-ce que tu as d'autres changements que tu souhaiterais faire? Non. Non? Non, je la laisse dans l'état. À part le contrôleur pour adapter, je pense
à sa juste valeur la Eagle Pro. Ouais. Les pneus en 3 parce que je trouve que ça a plus de gueule, plus de. Ça lui fait plus. Ouais, un look un peu plus, voilà. Plus sport. Voilà, mais sinon après. Non, pas de modification spéciale au niveau de la machine. Peut-être esthétique, petite rondelle rouge. Là, je viens de prendre des poignées. Voilà, c'est, ça reste très superficiel. Mais, les poignées au niveau du guidon. Ouais, je les ai là en plus. Ah, vas-y, non. Les poignées très simples. Montre-nous. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, petite poignée rouge. Qui rond donc. Voilà. Ok. Très simple, hein, très très. Non, après au niveau de l'engin en soi-même, non, ça sert à rien de la monter en plus. À ce moment-là, il faut acheter une trottinette différente, plus puissante. Ouais. Voilà. Mais le contrôleur, là, c'est vraiment pas du luxe. Je pense qu'ils auraient dû mettre tout de suite un 27 ampères dessus. Parce que le 27 ampères, c'est l'équivalent du contrôleur de la DT3 INU. DT3 et Dual Tron New, voilà. Le contrôleur. Ensuite, faut savoir le monter. Heureusement, il y a le contrôleur d'origine installé. Il faut se souvenir des branchements. Et ensuite, on peut rebrancher tout ça, mais éteindre l'interrupteur dans un premier temps. Oui. Pour pouvoir tout débrancher. Mais ça, c'est une discussion à laquelle nous aurons prochainement. Je t'aiderai volontiers. Ouais. J'ai vu que tu as installé des capsules ou des capuchons bleus. Ben en fait, c'est ce que j'avais dans ma caisse et puis à la perte du mien, j'ai collé celui-là, mais j'aurais préféré un rouge, bien entendu. Rouge pour marier au nouveau. Voilà. Au nouvel poignet, la casquette, au sac à dos et des rondelles rouges. Moi, je vois bien des rondelles rouges, ouais. Moi aussi. Petite rondelle rouge. Bon, on va rouler un petit peu. En soi, la trottinette, je la trouve très très bien. On a toujours la quête de plus puissant et de mieux. Mais je trouve que c'est une très bonne trottinette polyvalente parce que surtout déjà, elle a un poids de 30 kg. Elle a quand même une belle puissance de 3600 watts. 30 kg, tu ressens pas la douleur. Bah, vas-y, porte-la, montre-nous comment tu vas. Bon, je suis pas trop balèze. Bon, 30 kg, ça reste pour moi vraiment un étage, monter dans un wagon de train, la mettre dans un coffre reste encore très facile. C'est clair. Je suis allé à la mer l'autre fois avec le train, tout s'est bien passé. C'est vrai que ça reste une trottinette polyvalente. Voilà. Par rapport à sa puissance et son poids, elle est un peu plus longue. Pour quelqu'un qui est grand comme moi, c'est très très bien. On est bien posé dessus, on est bien calé. Je trouve qu'elle est stable. Oh, je suis content. Il y a la version avec une batterie plus faible en 18 ampères, c'est la Eagle. Et toi, tu as la Eagle Pro. Oui. En 22.4. Okay. Donc, je pense que pour la Eagle, 18 ampères, c'est très faible. C'est limite, ouais. C'est ouais, c'est faible. Sauf si on est dans une petite ville, ça pourrait convenir. Toulouse, ça commence à être une ville assez grande. Cela déjà en mode sport, bon, je fais une quarantaine de bornes en moyenne. Suivant comme les choses se passent, un petit peu moins ou un petit peu plus. Pour le moment, ça te suffit. Pour l'instant, ça me va. Tu en demandes de plus. Ben, j'attends plus tard, mais à ce moment-là, je vais changer de trottinette. Je vais pas la bidouiller. Ok. Je la laisse dans l'état. Quoi. Ok. Merci pour ton retour. C'est moi. Au Port Saint-Sauveur. Ouais, ça marche. Ok. C'est let's bon. Go. Allez, let's go. Kizio me prête sa Eagle Pro. Qu'on puisse avoir les sensations. T'as une 27 ampères, toi. Oui. Voilà, moi je l'ai à 27 ampères. Comme ça, tu peux vérifier. T'es en mode combien là? T'es au max? Je suis en mode 3. Ouais. Mode 3, P7 à 0. Ouais. Moi, j'ai P7 à 3.
D'accord, 3 mois. Donc j'ai tout à fond. Je mets un 3, j'estime que c'est déjà suffisamment puissant. Et ça me préserve aussi l'autonomie. Puisque j'ai gardé la batterie d'origine de la Raptor. Ouais, le frein arrière, il est assez costaud. Et le frein avant, c'est avec la gâchette à droite, pardon. Vas-y. La Eagle Pro très légère et souple et maniable. Hein. Oh là, attends sur la voiture. Ça freine bien. Ouais. Voyons voir. Souple, maniable, polyvalente, passe partout, légère, pas trop lourde. En single, elle est cool. T'es en single là? Ouais, ouais. Ouais. Si tu es tout le temps en dual. Ouais, je suis tout le temps en dual moi. Ah ok. Toi tu roules en single pour préserver l'autonomie, c'est ça? Ouais, ou voilà, pour être tranquille sur la route? Ouais. Pour l'autonomie, pour je sais pas. Après c'est vrai qu'en dual, bah du coup ça change. Ouais, bah mets-toi en dual, c'est. Tu doubles le plaisir de rouler. Ouais. Sympa Kizio d'avoir consacré un peu de son temps pour présenter sa Dualtron Eagle Pro. Trotte de gabarit moyenne gamme, passe partout, bimoteur sympathique, très bon compromis. Ami cycliste.